La prière porte des fruits de bénédiction insoupçonnés. J'allume cette chandelle pour la victoire de la lumière sur terre, que cette flamme enflamme le monde de vérité et de conscience, qu'elle apporte au monde la grande révélation qui lui permettra de briser ses chaînes, tandis que nous voyons au-dessus de la planète, la mère du monde diffusant des rayons de purification et d'illumination, nous prions. Ô mère divine, mère si pure et si compatissante, mère du divin amour et pleine de lumière divine, avocate des causes difficiles, nous mettons entre vos mains si tendres les demandes suivantes. L'avènement de la grande révélation qui enclenchera la libération des peuples. Que vos anges et archanges assistent les cœurs épris de vérité et de justice pour que la victoire de la lumière soit. Que l'archange Michaël et sa cohorte d'anges saisissent les impies, épris d'orgueil et de pouvoir, qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Que l'archange dresse la croix dorée de Jésus-Christ, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, pour diffuser sur terre la lumière de la vérité et de la foi. Et, au nom du Christ et par le pouvoir du Christ, nous demandons l'infinie protection et la victoire finale pour celui et tous ceux et celles qui consacrent leur énergie à la restauration de la vérité, de la justice et de la liberté dans leur pays et partout sur la terre. Et, puisse le Christ, selon sa parole, revenir sur terre. Nous demeurons les fervents porteurs du flambeau de la liberté, de la vérité et des valeurs humaines sur terre. Amen. Prière à la Mère du monde, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et pour toujours. Amen. 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 Prière de Jésus, le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.